semaines. De retour sur le plateau de TV Service, toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Et oui, c'est votre quotidienne préférée, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h. Et là, on va se détendre un petit peu avec du talent. The Voice, les loups, une voix, une chanteuse. D'ailleurs, je vais la recevoir en chantant. J'accueille sur le plateau Nandy, bienvenue Nandy. Merci beaucoup pour cette invitation styling. Comment vas-tu Nandy? Super bien. Tu chantes mieux que moi, donc je vais arrêter de chanter avant que les téléspectateurs me zappent, parce que j'ai besoin d'audience et d'audimat. Ça va? Super, super. Ah, j'aime bien parce que tu es souriante. Tu as la joie, la bonne humeur dans ton cœur. Toujours. Donc on va apprendre à te découvrir. Déjà Nandy, est-ce que c'est ton vrai prénom? Non, c'est pas mon vrai prénom. Est-ce que tu veux nous dire ton vrai prénom? J'ai pas vraiment envie de dire mon vrai prénom non plus. Elle l'a dit en antenne, j'ai dit je vais tester quand même à l'antenne, mais je vous jure que son vrai prénom est encore meilleur que son Nandy. Honnêtement, donc on va faire une pétition. Hashtag on veut ton vrai prénom. C'est parti. Balancez parce que son vrai prénom est deux fois meilleur. Eh oui. Alors, tu es donc chanteuse. Oui. Donc à quel âge as-tu commencé la chanson, la musique Voilà, dis-nous tout. Alors en vrai, je crois que j'ai écrit mes premiers textes, j'avais bien 12 ans. J'étais en sixième, voilà. Premier texte un peu bateau, je t'aime, tu me manques, j'ai besoin de toi dans ma vie, enfin voilà. Bateau, c'est essentiel l'amour, les gens. Ouais, mais c'était donc, pas. Tu chantais du zouk? Je sentais pas forcément du zouk, j'étais plus R&B, soul, okay. Parce que j'ai toujours été. J'ai grandi en fait en écoutant des morceaux, des personnes comme Seal, comme Nina Simone, etc. Donc du coup, c'est très Lauryn Hill, je suis très proche de tout ce monde-là en fait. Je vois. Et du coup, ouais, c'était ça. J'ai commencé comme ça, premier texte en anglais qui va fouiller un petit peu aussi. Enfin bon. Du yaourt. Ouais, vite fait. Ouais, je connais. C'est-à-dire que le vocabulaire n'était pas très développé, mais les phrases étaient correctes. Les phrases étaient correctes. Sujet, verbe, complément. Tout à fait. Okay. Mais c'est bizarre d'avoir chanté justement ce style directement. Enfin, c'est bizarre même pas, mais je crois savoir que tu as baigné aussi dans l'univers du car. Oui. Mais en fait, si tu veux, c'est une période quand même, le collège, où tu te cherches un peu. Okay. Donc, il y a les influences qui viennent d'ailleurs, les influences déjà qui viennent de ma mère, parce que grâce à elle, le reggae est rentré dans ma vie, rétro zouk, la soul, etc. Donc, Mommy, I see you. Et puis, après, elle a aussi fait le travail de me mettre dans la culture. Donc, j'ai fait bien 9 ans de gros cas, de cours, ouais. Ah ouais, donc tu sais jouer, tu sais danser, tu sais tout faire. Je sais pas marquer. Okay. Et mon gros challenge, je crois, c'est de chanter du gros cas. Okay. Pur, le gros cas pur. Je sais pas, je respecte tellement cette musique que j'ai peur de foirer, tu vois. Je comprends, on veut pas se tromper, voilà. C'est normal. Donc je maîtrise le mieux. Pour le moment, ces temps-ci, je danse essentiellement. Voilà. Et justement, le fait d'avoir toutes ces influences dans sa vie en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'apporte un plus? Bien sûr, c'est très enrichissant parce que du coup, ça permet d'avoir des vibes un peu soul dans les mélodies, mais en même temps d'être ancré en fait sur le tambour, donc avoir une rythmique qui nous ressemble, qui soit bien locale, qui nous rappelle un peu ce qu'on est de source et d'origine, quoi. Donc, alors comment est-ce que tu as construit ta carrière, je dirais? C'est-à-dire que tu as commencé tes premiers textes à 12 ans, tu as baigné un petit peu avec plein d'influences musicales. Comment est-ce que tu t'es construit? Est-ce que tu as fait des groupes? Est-ce que tu t'es professionnalisé? Tu as pris des cours de chant ou même plus? Dis-nous tout. C'est très particulier parce que j'ai écrit mes premiers textes effectivement à 12 ans, mais c'est en 2017, donc c'est vraiment très récent, que j'ai eu des amis qui m'ont dit, bon, quand café avait ça, quoi, tu vas arrêter de chanter dans ta douche, tu vois. Donc du coup, j'ai retrouvé en fait des amis justement du lycée, primaire, collège, etc., qui sont musiciens. Ouais. Et on a commencé à bosser un petit peu ensemble dans le studio du local du groupe de carnaval dans lequel on est. Et du coup, on a recommencé là. Il y en a un d'entre eux qui est beatmaker, Gucci, beatmaker, okay. DJ, etc. Tout le monde est embouillé, marqueur, chanteur, tout ce qui s'ensuit. Okay. Et donc du coup, on est vraiment parti dans une ambiance, vas-y, on est là un soir, après un déboulé, après une répète, il fait un beat, j'écris un texte, et voilà. Ça a recommencé comme ça, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est sympa quand même, de retrouver cette alchimie, cette ambiance de création, ça me manquait énormément. Okay. Et du coup, là, j'ai recommencé à écrire vraiment des textes, parce que j'avais arrêté pendant bien 3-4 ans, je crois. D'accord. Et là, j'ai recommencé à écrire, on a commencé aussi à enregistrer vite fait, dans la chambre et tout, de mon pote. Et puis après, j'ai eu un déclic, je pense, le vrai déclic, le vrai début de ma carrière, ça a été
la première partie de Stevie Mai. Ok. Voilà. Qu'on salue, bien entendu. Ouais, à Beauport. Stevie. Et du coup, ça a été particulier parce que la semaine d'avant, on faisait la première partie de Ridla avec le groupe Code et Potente dans lequel j'étais. Merci à vous, je vous aime, la famille. groupe Code et Potente, donc on a fait la première partie de Ridla et la semaine d'après, ben, Erika. De Beauport appelle donc Tcheco, entre guillemets, le contact RP du groupe pour lui dire ouais, il me faut une petite formule et tout acoustique pour la première partie de Stevie Mai. Sauf que quand des potes ne faisait pas de petites formules, donc il m'a dit ouais bon. C'est que des grosses formules. Voilà, on est à, normalement on est à 7. Donc d'accord. Voilà, c'est vraiment un groupe, un groupe basse, guitare, percussion, etc. Donc du coup il m'a dit ouais, tu veux pas faire ça? J'ai dit attends, Stevie Mai, tu me dis est-ce que je veux pas faire ça? Je mens pas, c'était ma première scène, j'ai flippé ma race, on m'a dit ça deux jours avant la date, donc du coup j'ai dit bon. C'était l'année où je disais oui à tout ce qui était musical. Okay. Donc j'ai dit ok, j'y vais. J'y vais, j'ai flippé, j'ai trouvé un guitariste à l'arrache, Lionel, que je salue, guitariste et chanteur. Okay. Et du coup, on a fait ça, on l'a fait. Et quand on a fini, j'étais en mode oh, je veux revivre ça tout le temps. Je veux. Parce que, ah oui, la sensation était juste géniale. C'est la première fois que je chantais mes compositions face à des inconnus. Okay. Donc. Le fait qu'ils accueillent les morceaux comme ça, la vibe qu'il y avait, c'était super. J'ai vraiment adoré. C'était un guitare en voix. C'était tout ce que j'aimais, en vrai. Donc mon objectif, vraiment, après cette scène, c'était de retrouver cette sensation. Ok. Donc, tu as participé à des concours de chant. Oui, j'en ai fait plein. J'ai fait The Voice. Non, j'ai pas fait The Voice. J'ai fait le Zig Truck. Ok. En tout premier. Ouais. Le Zig Truck aussi, c'était particulier. C'est chaud, en plus, on te voit à la télé. C'était très spécial. Okay. C'est-à-dire que j'avais un pote qui a participé aussi, Audrey, avec qui j'étais au collège. On chantait en mode dans la cour de récréation. C'était Chris Bourne et voilà. Okay. Donc, on chantait un petit peu. Et il m'a dit, ouais, mais. Pourquoi tu t'inscris pas et tout? Moi, je me suis inscrite, tu devais trop y aller, nanan. Et il y avait une de notre maman de masse, Mylène, qui m'avait déjà dit, bon, il y a ça pour toi là, vas-y. Moi, j'étais en mode, non. Concours de chant, moi, j'ai pas la technique pour ça, qu'est-ce que tu racontes? Donc, je me suis dit, bon, il m'a parlé de ça. J'ai essayé quand même sur l'appli, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à en poster ma vidéo sur l'appli. Comme donc, je me suis dit, bon, ben, c'est que c'est pas pour moi. J'ai laissé passer. Et puis, le jour où le truck était à Basse-Terre, je sors de chez moi, je vais chercher des cartons pour déménager et là je vois le truc. Je me dis aïe, ça veut dire que c'était vraiment là, c'était pour moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, ils sont venus me chercher en plus. C'est ça, donc je me suis garée et puis j'étais en mode bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je me suis pas inscrite, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis, bah, du coup j'ai passé un petit coup de fil pour savoir est-ce que c'était possible et tout machin. Jordan m'a dit vas-y viens, machin, donc je suis descendue, j'ai été voir comment je pouvais m'inscrire, on m'a dit mais repasse cet après-midi, du coup bah, je suis repassée cet après-midi, mon guitariste actuel Karim Verger m'a fait une boucle rapidement du morceau sans vous et j'y suis allée comme ça. Excellent. Ouais. Comme quoi, prenez votre... N'hésitez plus. Arrêtez de réfléchir. Allez-y. Justement, est-ce que c'est un conseil que tu donnes? Là, d'arrêter de réfléchir. C'est vraiment le meilleur conseil. Okay. Dès qu'on réfléchit, on pense à la peur. Et du coup, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut se lancer. Il faut donner ce qu'on a. Les plus belles aventures sont après la peur. Donc, c'est vraiment le cas de le dire. Une fois qu'on a dépassé ce cap... C'est magnifique, c'est juste magnifique. Les belles aventures sont après la peur. Oui. Je reçois des poètes. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, je suis content. Justement, tu as un clip qui est sorti. Parle-nous un petit peu de cette aventure. C'est ton premier clip? C'est mon premier clip. Oh là là, là aussi, comment tu t'es senti? On veut tout savoir. Est-ce que tu veux surveiller ton image? Déjà, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est l'un des morceaux justement que j'ai présenté au deuxième concours de chant auquel j'ai participé, que j'ai gagné. Voilà. Le FIZ, le concours de chant du FIZ, voilà. On a même la photo de tout à l'heure, on va balancer avec ton trophée. Et donc, du coup, ben, ce morceau-là, c'est pour moi un morceau qui est très important parce que ça parle des faits un peu de société de manière très détournée, très poétique. Okay. Mais je parle vraiment des problèmes de notre société, en fait, de notre souci de surconsommation, de notre problème de prendre tout ce qui n'est pas à nous et d'absorber ce qui vient de l'extérieur, de trouver ce qui vient de l'extérieur beaucoup plus facile et mieux, d'ailleurs meilleur, on va dire, que ce qu'on a chez nous. Et je dénonce ça un petit peu sur un air un peu dansant, un peu festif, voilà. Avec les paillettes. Oui, mets les paillettes dans notre vie. Il faut mettre des paillettes dans la vie des gens. Justement, est-ce que tu penses que voilà, un message doit aussi passer par un petit peu de décontraction quand même et d'amusement pour qu'il soit accepté et peut-être entendu?
Je pense que c'est beaucoup plus facile. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre au premier abord, ouais. mais ceux qui prendront le temps justement d'écouter les paroles, d'analyser le texte, etc., vont se rendre compte qu'il y a plus qu'un petit côté dansant, quoi. Ok, d'ailleurs, vous pouvez voir les images. Il est sorti le 31 janvier. Exact. Donc franchement, n'hésitez pas à aller sur YouTube et puis partager le clip si vous aimez. C'est essentiel. On voit la petite danse. Ouais. Qu'est-ce qui a eu l'idée aussi avec qui tu as travaillé déjà et qui a eu l'idée du scénario? Parce que nous, on a adoré l'idée des Cathy. Alors, le scénario, bah, c'est moi, du coup. Tu fais tout. J'avoue que j'aime bien quand même maîtriser au maximum ce que je fais. Okay. Donc, le scénario, je l'ai écrit et il y a une équipe de ouf qui m'a aidé à réaliser ce rêve-là. Parce que c'est mon premier petit bébé. Et du coup, bah, déjà, le clip, il a été produit par l'INSEE Prod. Okay. Donc, c'est eux qui m'ont permis justement d'avoir ce clip aujourd'hui. La réalisatrice, elle s'appelle Raïssa. C'est mon petit coup de cœur, vraiment, rencontre superbe. Elle est géniale, cette fille. Je l'adore. Je l'adore. D'habitude, de toute façon, d'habitude, les Raïssa sont vraiment géniales. On vous aime. Franchement, elles sont dynamiques, souriantes. Ouais, vraiment ça. Raïssa, c'est une valeur sûre. Si vous avez une petite fille, appelez-la Raïssa. Vous verrez, ça va devenir quelqu'un d'extraordinaire. C'est vrai. Et donc, du coup, ben, super talentueuse qui m'a permis justement de mettre ces idées-là dans le clip et de les faire voir le jour, en fait. Et du coup, pour la chorégraphie, j'ai fait appel à Marie-Vonne Herdan-Nicolas. Qu'on salue, bien sûr. Qu'on a reçu sur le plateau, en plus. Ça ne m'étonne pas. Elle est souvent chez vous. Voilà, chorégraphe dont j'aime beaucoup le travail, que je connais depuis quelques années parce qu'on a dansé ensemble, en fait. Et donc, du coup, c'était pareil. Je lui ai exposé l'idée. Elle m'a dit, oh, c'est trop génial. Nanana, je vois à peu près ce que je vais faire. On a discuté et puis ça a donné, ça a donné cette chorégraphie. Tu l'imites super bien, en tout cas. C'est vrai. C'est exactement ça. Et là, on salue bien sûr toute la petite équipe de Baster, de Carou, à Marie-Vonne, à Dexter, voilà. Les talents de Baster, bien entendu. Alors, tu as un univers assez pop caribéen. On aime bien l'appeler comme ça. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le pop caribéen? Caribbean pop en English? C'est un mot qu'on a trouver pour les gens comme moi. Ça va, qui n'arrivent pas vraiment à se catégoriser. Ouais. On va dire que j'aime pas me mettre dans des cases. D'accord. Parce que je fais une musique qui est variée. Comme j'ai dit, il y a des influences soul, reggae, bossa nova, groka, zouk. Donc du coup, c'est très difficile de qualifier ça. Et pop caribéenne, c'est top, quoi. C'est le mot parfait. Mais est-ce que tu n'as pas peur justement de perdre ton public ou même de l'embrouiller? Ou est-ce qu'au contraire, ton public sait que tu vas pouvoir lui proposer plusieurs styles, et justement, c'est pour ça qu'il le suit. Bah, je sais pas comment ils vont le prendre. Moi, je sais que ça m'amuse. Ouais. Donc, à partir du moment où... Moi, je m'amuse. Voilà, je pense, à partir du moment où on se fait plaisir, on fait forcément plaisir aux autres, parce que ça se transmet, tu vois, c'est une énergie, c'est une connexion, donc ça se transmet. Si j'aime pas ce que je chante, forcément, les gens, ils vont pas aimer. Donc... Et est-ce que tu penses qu'il faut proposer aussi plus de trucs au public, c'est-à-dire créer, innover, au lieu de rester, dans la valeur sûre? Ben, je pense pas vraiment faire de la valeur sûre parce que de ce qu'on me dit, risquer le côté tambour, le côté la percussion, c'est vraiment très important pour moi. Ouais. Le cas, c'est très important. Donc j'ai toujours voulu qu'il y ait du cas sur quasiment tous mes morceaux. Ça, c'est bien, ça. Donc du coup, c'est déjà compliqué. Okay. Ensuite, je pense que mon univers est un peu particulier parce que même quand on compose les morceaux, moi j'écris mais je ne compose pas. Donc je viens avec mes mélodies, etc. Okay. Mais je fais pas de composition et à chaque fois, les gars me regardent en mode mais... ou bien bizarre, hein. ou bien folle, hein. Ou bien bizarre. Donc du coup, j'ai dit ouais, mais les gars, c'est comme ça que je suis et on va trouver, quoi. J'ai dit mais c'est dans ma tête, ça vient, c'est comme ça dans ma tête, je te jure, ça marche, ça fonctionne. Oui, je connais. Quand on arrive du coup à se comprendre, ouais. Bah effectivement, ça donne des trucs super sympas. Alors quel est le futur de Nandy? Est-ce qu'il y a un album ou tu vas y aller peut-être single par single? Mm-hmm. Comment est-ce que tu vas attaquer le marché? Bah, pour le moment, mon objectif de 2020, c'est de sortir un EP. Okay. Donc pour la fin de l'année, après effectivement, il y a des singles qui sont prévus encore, dont le prochain avec un bastérien que j'aime beaucoup, Ayola. Hey, ouais, j'ai balancé. Hey, qu'on salue. Hey, oui. J'ai balancé, donc il faut vraiment rester connecté sur les réseaux, donc Ayola, Voodoo Studio, et puis sur mes réseaux aussi. Ok, voilà. Excellent. Mais justement, si on veut te suivre sur les réseaux, est-ce que tu es connecté Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Batocard, on a tout. Alors franchement, moi je conseille un seul réseau, c'est Instagram. D'accord. C'est le réseau sur lequel je suis le plus active. Ouais. Si vous voulez vraiment découvrir ma vie, etc., je mets des petites stories toujours très fun de ce que je fais. Ouais. Et ça permet aussi aux gens de
tu sais, d'avoir le côté un peu plus que l'artiste. Exactement. On est vraiment dans voilà, le real life, comme on dit. Hey. Et du coup, sur Instagram, c'est MRS, ouais, _, donc tiré du bas, Nandy, N-A-N-D-Y. Tout voilà, simplement, voilà, vous êtes connecté, en plus c'est la raison. Insta, c'est vraiment là où vous pouvez contacter le plus grand nombre de personnes. Oui. Ça va, ça reste pas seulement en français, ça va toutes les îles, les anglais, voilà, c'est Instagram. Ça va très loin. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Si tu avais un tout dernier mot à dire aux téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Haïti, Dominique, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Barbade, Trinidad, ils regardent tous. La caméra est juste là. Vas-y, fais-toi plaisir. Eh bien, écoutez, faut aller sur, voir le clip, faut aller sur YouTube, faut partager, vous donner tout ce que vous avez, et je vous remercie énormément parce que jusqu'à présent, les encouragements, les petits mots, c'est tout ce qui m'a toujours fallu quand j'étais en baisse de motivation, on va dire. Donc continuez comme ça, n'hésitez pas à soutenir les artistes, les jeunes artistes, les artistes locaux, c'est super important. Que peut-on rajouter après ça? Elle a tout dit, c'était parfait. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci à toi. Tu repasses quand tu veux, dès qu'il y a un nouveau single, un nouveau clip. Aucun une problème. Nouveauté. La... Hey, c'est la porte est ouverte. On a enlevé le cadenas. Nous, y a aucun souci. On se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.